On va changer d'un cran en termes de niveau. Hein. Faut aller par où là? Ah, par là. Putain, on l'avait pas fait de nuit ici. Putain, la lance de foudre, ça reste vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça reste ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de plus fort. Mais c'est ce qu'il y a de mieux quand tu veux taper des mobs. Il viendra pas me frapper, on s'en fout. On va économiser des ressources. Tokavar ! Là qu'il y a Ricard qu'on a pas fait. Je peux même pas le pousser, putain, j'ai envie de chialer. Ah si. Ah, ça par contre, ça fait chier. Voilà. Allez, on boit un coup. Et salut, Batista. Salut à toi. Ok, cool. Nice, nice, nice. Je peux pas sauter directement en face. Putain! Mais j'ai même pas eu le temps de venir! Mais c'est de la merde! J'ai même pas eu le temps de venir que je me suis fait détruire! Ah, oh, fais chier. Putain. J'ai battu Nial. J'ai battu le commandant Nial. Troisième try, ça va. C'était pas aussi dur que ce que j'aurais cru. Oh! Oh, il est tombé et pas moi. Oh, cette chance. Ok. Bon, par contre, c'est pour en prendre tous les coups de tout le monde. Voilà. Et là, ils vont faire leur attaque de merde. Allez, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe tous les jours. Tous les jours, ça passe! Bien. Il n'y avait pas un site de grâce dans le coin. Ok. Je suis sûr qu'il y a un site de grâce dans le coin. Let's go. Il y a beaucoup de gens qui font des runs RL1. Hein. C'est vrai que c'est vraiment la run la plus populaire, je pense. C'est marrant parce qu'à une époque sur Dark Souls 1, faire une run niveau 1, c'était le. Tu sais, c'était vraiment le truc, waouh et tout, incroyable, très peu de gens sont capables de le faire. Et là maintenant, putain, le RL1, tout le monde s'y met et tout, c'est un truc de fou. Il y a que moi qui n'ai aucune patience pour le RL1. En fait, je trouve pas ça très amusant de me faire crever la gueule en un coup, tu vois. C'est bête, hein, mais... Mais je sais que pour Dark Souls 3, putain, pour la finir la run, j'en ai vraiment chié. Ok. Moi non plus, ça m'attire pas... Franchement, je suis pas... J'avoue que je suis pas friand. Et en plus, c'est comme tout le monde le fait, bon... Tu sais, tu te dis, bon, quelle est ta plus-value là-dedans? Aucune, quoi. Surtout si en plus après derrière, bon après ça c'est moi mais ça c'est mon ego. Mais surtout quand derrière tu vois tout le monde y arrive et toi t'y arrives pas. Genre sur Dark Souls 3, Freed au niveau 1,
J'ai jamais réussi à la passer. Hein. Pourtant, j'ai essayé, hein, mais à chaque fois, je me faisais crever en 2 secondes. Et comme il y a 3 phases et tout, j'étais là, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est comme ça. Taste the Booyah! Putain, sur ma dernière boule de feu, quoi. Ouais, bon, après, hein, si vous aimez, tant mieux, hein, franchement. Tant que vous kiffez faire une run comme ça... Pierre de forge, dragon ancien, parfait. Mais tant que vous kiffez... Nice! T'as heureusement qu'on tape plus vite, hein. Ouais, voilà, après, chacun... Je pense que, aujourd'hui, on est arrivé à un stade dans les jeux Souls où tu peux trouver n'importe quel challenge pour toi. Je veux dire, nous, sur Dark Souls 3, typiquement, il y a eu des challenges qu'on n'a pas terminés parce que, voilà, mais on a quand même fait... En général, je crois que sur tous les challenges... Corrigez-moi si je me trompe. Sur Dark Souls 3, sur tous les challenges qu'on a fait, on a au moins fait tous les boss du jeu de base. On a toujours... si on a abandonné, c'est à partir des DLC, généralement. C'est à partir des DLC, parce que là, ça devenait... ça devenait n'importe quoi. C'était absolument n'importe quoi. C'est cool. Voilà. Taste the Booyah. Ok. Merde, y'en a encore. Putain, ça c'est chiant. Il est où le dernier? Là-bas. Je voyais pas où est-ce qu'il était d'autre. Oh putain. Ça va être tendu, ça va être tendu. Évidemment, il meurt pas. Ouh. J'ai pas réussi à finir ma pizza et ma salade. Putain, je vois qu'on a les mêmes types de repas ici, hein. Pizza, salade. Mais moi, tu sais que... Bah, je sais pas si c'est en vieillissant ou j'en sais rien. Mais tu sais que avant une pizza... Alors, je prends l'exemple d'une pizza surgelée parce que c'est le meilleur exemple que j'ai. Mais avant, une pizza surgelée, je la torchais. Et j'étais bien calé et voilà. Et maintenant, je préfère en manger que la moitié et me faire une bonne petite salade à côté et... Et même si j'ai encore faim, je me dis j'aurais pas assez faim pour finir la pizza. Quoi. Je sais pas. C'est le corps qui évolue. Mais pizza salade, y'a rien de mieux. Tu fais ta petite salade, là, t'es tranquille, tu manges, et puis t'as ta petite pizza à côté. Y'a un raccourci, je crois, dans le coin. Faut que je passe ce mob, quoi. On se barre. Oh putain! Attention, la magie, non, c'est bon. En fait, ça cale pas la pizza surgelée, mais c'est surtout que... D'un point de vue calorique, ça cale. Enfin, je sais pas comment dire. Mais en gros, c'est l'équivalent en termes de calorique pour ton corps. Une pizza surgelée, c'est l'équivalent d'un pain aux viandes, quoi, tu sais. C'est l'équivalent d'un bon gros morceau de pain avec plein de viande dedans, donc... Ouais, c'est quand même... D'un point de vue nutritif, c'est hyper calorique, mais... Psychologique, enfin, je sais pas, tu... C'est pas ouf. Je vais monter de niveau, comme ça, au moins, après, je serai pas emmerdé. Ah, les petites pizzas surgelées, vous aimez pas? Des Buitoni, là. Le mec, je connais une super marque de chez Buitoni, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les pizzas Buitoni en général... Ah, tu finis aux chiottes, quoi, hein, concrètement. Ah, putain. Je sais même pas, je crois qu'ils les ont remis en vente ou pas. J'en sais rien. Euh...
Montée de niveau. Ouais, c'est bon. Ah, 10 d'endurance. Incroyable, cet homme monte l'endurance pour la première fois. Il aura quand même fallu une quarantaine d'heures. Bah après, non, il n'y a pas à être fragile ou quoi. Hein. Vous avez le droit de soit de pas aimer le surgelé, enfin les pizzas surgelées surtout, soit, enfin, de toute façon, moi je le sais, c'est que j'ai la flemme d'aller acheter une pizza ou... Et la faire moi-même, alors oui et non. Parce que la pâte à pizza, sinon, en gros, la faire moi-même, ça voudrait dire... Ben, j'achète de la sauce tomate à côté, j'achète de la pâte à pizza toute prête, enfin... Est-ce qu'il y a une vraie différence? Je sais pas. Par contre, si tu fais la pâte, si tu fais... Tu vois, là, oui, ok, mais... Tu vois, j'en arrive à ce point-là, moi, à me dire, est-ce qu'il y a une vraie différence, au final? Oh, bon. Faut aller à Pizza Planet. Ok, Loretta! Avec un design directement tiré de Garl Vinland, de Demon's Souls. Et un bouclier miroir aussi qui lui ressemble bien. La magie contre les incantations! Qui va l'emporter. Bon, la foudre, c'est de la merde. Hein. On va essayer autre chose. Putain, mais elle résiste à tout. Oh! Wouah, les dégâts! Ok. Vain dieu de merde. On passe de Rennala à Loretta. Hein. Rien à voir. Oh là, c'est chaud quand même. Oh non, vas-y, c'est la OE qui m'a eu. Ah mais je triche, j'ai un cuistot à la maison. Ouais, bah voilà aussi, Chirilis, là, elle a les cuistots à la maison. Directement dans les cuisines du resto. Ah putain. C'est genre, ah oh, j'ai envie d'un petit tanka. Attends, je vais préparer un petit truc là. Non mais je voulais juste un... Je voulais juste un bol de céréales au pire. Hein. Non non mais regarde là, je t'ai fait un truc là, tapenade de scie, tu vas voir. Putain, je te jure. Raven, il en a plus rien à foutre. Oh là là. Alors attendez, je vais juste me rééquiper en termes de... On va se rééquiper, attendez. C'est pas facile Loretta avec que des sorts. Je pense qu'on va prendre la gigaboule de feu, là. Celle-là. Je pense que ce serait pas con. Et peut-être prendre ça. On pourrait tester frénésie... Ah ouais, mais attends, si je fais frénésie intolérable, je sais. Il me faut que j'enlève la foudre de ça et que je mette ça. Voilà. On va tester comme ça, les gars, et puis on va voir ce que ça donne. Tout ça pour aller faire Malenia après, mon dieu. Cette run atomise la run découverte. Bah après j'en fais un petit peu en off aussi. Hein. Comme je l'ai dit, il y a des choses que je vous évite, il y a des choses que voilà. Après, tu sais, c'est vrai que dans les sessions, genre Nial, j'aurais peut-être pu vous le montrer, mais j'avais aussi envie un peu de le faire pour moi, tu vois. Allez, go. Super, moi j'adore, tu sais, charger un sort et que ça tape à côté comme ça. C'est vraiment l'éclate. Ouais, mais ça consomme à mort cette boule de feu. Ça fait plus de dégâts, mais ça consomme beaucoup trop. On va tester le plan B. Et là vous allez me dire qu'est-ce que le plan B?
Le plan B, c'est ça! Ok. Plan B, mourir. C'était le plan M. Le plan M pour mourir. Putain, mais vas-y, c'était littéralement mon meilleur sort. C'était mon meilleur sort, bordel de merde. Bon, au pire, on invoque Lutel et on attaque dans le dos. Comme des gros traîtres. On va peut-être utiliser le plan G pour gagner, ouais. On va peut-être utiliser le plan G, hein, mais celui-là, bon... C'est... Le plan G. On dirait que je vais arriver là-bas, je vais sauter sur Loretta, lui retirer son armure et... Bref, vous avez compris. Oh, il n'y a pas besoin de mettre deux mots là-dessus. Bien, bonsoir Ken. Ok, on va invoquer Lutel direct. Le jeu met à ma disposition des outils. On va s'en servir. Vas-y, ce sera un combat entre femmes là. Putain, elle est sur moi. Alors, j'aimerais me buffer, si c'est possible. Ouais, ça fait rien, hein. Ouais. Oh, mais non. Oh non. Oh non. Le plan R. Le plan Rect. Qui a été appliqué. Oh, comme le veut la théorie. Oh non, mais vas-y. Pff, oh là là. J'ai eu le malheur de tomber sur un fanart de Malenia et Let Me Solo Her une fois sur le web. Eh, on tombe pas là-dessus par hasard. On tombe pas là-dessus par hasard, moi je dis. Non mais les mecs, ils ont quand même fait des fanarts comme ça. Je suis même pas choqué en vrai. Je suis même pas choqué. Oh là là. Dessiner du porn. Oh putain, terrible. En même temps, avec tout ce qu'il lui a mis dans le cul, je pense que c'est peut-être legit. Hein. Yeah. Allez, Lutel, montre-nous tes fesses. Yeah. Ok. Je comprends rien, mes dégâts sont meilleurs. Je peux pas la spammer comme je veux. À moins qu'il y ait un autre sort que je devrais utiliser. À moins qu'il y ait un autre sort que je devrais utiliser pour ça. Internet. Internet, mesdames et messieurs. Internet in a nutshell. Attendez, il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir un meilleur sort que je pourrais utiliser. Il y aurait ça, éventuellement. Mais ça, c'est moins fort. Je crois qu'on avait trouvé que c'était pas tip-top. Je crois. Et ça, c'était quoi, frénésie? Hein? Attends, c'est quoi, ça? Ah oui, d'accord, tu chopes le gars. Attends, je voudrais juste tester ça pour voir ce que ça fait. J'ai jamais... J'ai pas testé ça, si. D'accord, ok. Si c'est pour me faire stun toutes les 3 secondes. Putain, vas-y, j'arrive pas. Oh, ok, bah celui. Attends. Il faut que je teste sur quelqu'un qui me regarde pas.
let's go. Mais non! Ça fait rien! Mais c'est de la merde! C'est de la grosse merde, ça fait rien! Je l'utilise pas comme il faut. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ne fait absolument rien. Ok. Ah merde. Bon. Je pense qu'on va y aller à coup de lance de foudre. J'ai pas de meilleur sort de foudre. Hein. Je crois pas. La lance de foudre. Ce qui fait chier, c'est que... Putain, il faut la lancer. Enfin, tu sais, c'est... C'est pas un truc continu, tu vois. Bah après, quelque part, c'est peut-être mieux, en fait. On va faire comme ça. On va y aller avec de la foudre. Advienne que pourra. On va booster avec talisman de foudre. Fiole de salut miraculeux. Attaque sacrée. Renforce attaque chargée. Bon, on va voir. On va tester comme ça et puis on va voir ce que ça fait. Attends, par contre, vraie question. Est-ce que la consommation de PC, elle marche que sur les sorts? Ou aussi sur... Genre, si je fais fiole de salut miraculeux, je consomme plus de PC. Et ensuite, j'utilise l'utel. Est-ce qu'après, je peux enchaîner sur 15 milliards de lances de foudre? Ah, ça marche que sur les sans-éclats. Ah, c'est dommage. C'est dommage quand même. Alors attends, on va se buffer direct comme ça. Let's go. Babouya, Loretta! Ben voilà, bien joué, Lutel! Oh! Voilà, j'aurais foudroyé Loretta, hein, sans arrière-pensée, bien sûr, mesdames et messieurs. En toute cordialité, bien sûr. Hein. C'est vrai que tu peux pas te reposer à ce truc. C'est énorme. Il est toujours buggy, ils ont jamais corrigé ça. Trop marrant. Oh putain. Merci pour les GG. Voilà, on aura foudroyé Loretta. Oh. Alors comment ça se fait que lui tu peux pas t'y reposer, c'est marrant. Le site de grâce buggé et tout le monde s'en branle. Putain, c'est fou. Non, je confirme, on peut pas s'y reposer. Hein. Bah, faudrait qu'on remonte le problème à Namco Bandai qui remontera le problème à From Software. Au pire, je ferai un clip de ce passage-là et je le montrerai à... J'enverrai un message à Bandai Namco, je leur dirai ça c'est bugué, faudrait peut-être le corriger, ce serait sympa. L'interaction est décalée? Ah ouais? Elle est où? Tu peux nous dire ou... En vrai, moi j'aimerais bien savoir, tu vois. L'interaction est décalée?
déco reco, c'est pas forcément la solution que j'avais envie, mais... Attends. Ah, toucher la grâce. What? Donc là, tu peux pas toucher la grâce, mais ici, oui. Attends. Là, là, tu peux. What? What? Oh, c'est chaud. Ah ouais, là, il y a un bug, là. Ah ouais, là, il y a... Ah ouais, là, il y a un petit bug, là. Bandai Namco, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez corriger ça? Ce serait très gentil, merci. Oh là là. Mon dieu. Bon. Merde. Pas monter ça. Monter l'endurance. Ah, il y a 2-3 sites de grâce qui ont ça. Putain, j'ai remarqué ça que sur celui-là, moi. Il y a vraiment que sur celui-là, je l'ai remarqué. C'est ouf, quand même. Ma foi. Bon, ce sera un stream très magique, hein, pour l'instant. Hein. Je veux pas dire, mais... Bon, pas avec mon nouveau boîtier, mais... un stream magique, quand même, malgré tout. Je t'ai passé sur la TV, t'es plus beau. Ah, merci beaucoup, c'est sympa. Salut, Coco. Salut, H7Cab. Oui, oui, j'ai... Une fois que le let's play était terminé, découverte, j'ai regardé ceux qui avaient fait une demande de déban, et puis voilà. Voili, voilou. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, yes! Ça, c'est cool. Du coup, on va retrouver Millicent ou pas? Normalement, oui. Non? J'espère avoir fait sa quête. J'espère. Itaki-sensei, oui, j'ai fait Bloodborne en long, large et en travers. Il y a énormément de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à aller checker si tu veux voir du Bloodborne. Il y a vraiment beaucoup de vidéos. J'ai vraiment... C'est un jeu que j'ai adoré, Bloodborne. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Elphael, corset de l'arbre sacré. Excellent. Ah, ça va être moins excellent. Taste the Booyah! T'as vu, on a la même armure, mais on n'a pas la même passion! Oh yes, y'a Millicent. Trop, trop bien. Pas de soucis, Taki Sensei. Pas de soucis. Tu es à l'arbre de Michaela, fine observation. Oui. Again we meet. I can only surmise our purposes are aligned. In which case, allow me to explain myself. I am of Melania's blood, but in what capacity I know not. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case though, I am certain of a kinship between us. There is something I must return to Melania. The will that was once her own. The dignity. The sense of self. That allowed her to resist the call of the Scarlet Rot. The pride she abandoned. To meet Radahn's measure. There is something, the will, okay. The dignity. Et donc là, normalement, elle devrait rester là. Jusqu'à ce que je batte un mob boss un peu plus loin. Normalement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en a chié ici, putain! On y est arrivé niveau 150, hein. Là on est niveau 100, hein. Même pas. Donc bon. Est-ce qu'on est beaucoup plus bas niveau? Oui. Est-ce qu'on va en chier? Certainement. Merde. Je sais pas du tout où je suis. Je sais même pas c'est où le bon chemin. Il me semble c'est par là. Hein. Il me semble.
Non, 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 non. Allez, on était à ça. On était à ça. Oh, du site de grâce, putain. Fichier. Oh, cette zone a pas fini de me la mettre dans le cul. Cette zone a pas fini de me la mettre profond. Hein. Ah mais en fait j'ai vu l'arbre faire cette attaque, j'ai dit... Oh on est dans la merde là, non? Dès que l'arbre a fait cette attaque, je savais que c'était ça puait, tu vois. Hop. Putain, j'ai aucune idée si c'est par là qu'il faut aller. Oh, il y a eu un super clip ici, je me rappelle. Où t'en as un qui me pourchassait là jusqu'en oblivion. Ok. Il est bien serré le corset de l'arbre sacré. Hein. Ah ouais putain, il est à deux doigts de péter là. Ah ouais merde, d'accord. Ok, parfait. Ok, l'arbre. Let's go, let's go, let's go, let's go! La voie est libre! Là! Oui! Grâce évanouie découverte! Dégage! Oh, les dégâts de merde! Oh, les dégâts de merde! Oh non! Non! Oh les dégâts pourris! Oh ça devient chaud là la run hein. Est-ce que tu crois que c'est faisable de battre... J'ai une idée. Non c'est une mauvaise idée, mais non c'est une très bonne idée. Putain, tu peux pas t'arrêter! Une fois que t'es lancé, après tu peux pas t'arrêter, c'est terrible! En fait, tu peux pas t'arrêter, c'est horrible! Non! Attends, les dégâts peuvent être encore mieux en vrai. Maintenant on va se soigner. Putain. Oh non! Mais non! C'est dégueulasse, putain. C'est dégueulasse. Non, en vrai on peut le battre. En vrai on peut le battre. Ah! Putain! Ah, ou alors avec la glace, on n'a pas testé. On n'a pas testé la foudre de glace en vrai. Peut-être que la foudre de glace fera quelque chose. Ah, bah non, mais c'est le feu! Je suis trop con! Attendez, attendez. Non, mais je suis un abruti. En fait, je suis un abruti. J'ai qu'à le spammer de boules de feu. Qu'est-ce qu'on est con? C'est un arbre, évidemment que ça craint le feu. Putain, mais je te jure, des fois, je sais pas, j'ai pas la lumière, tu vois. Des fois, c'est dur, ok. Ok. Attendez.
milliards de poules de feu et il n'y a plus d'arbres. Il y en a qui galèrent ici? Vraiment? À quel moment vous galérez? Oh! Oh les dégâts! Putain! Bon bah, les incantations, c'est la vie. Hein. Oh les dégâts de malade! Oh c'est abusé! Absolument abusé ce que je viens de lui mettre là. Oh la bonne boule de feu! La petite bouboule là qui en fait du bien. Hein. Après, il y a un autre arbre, j'aimerais bien le faire. Mais je pense qu'on va crever avant d'arriver jusqu'à lui. Donc là, la partie intelligente serait d'utiliser l'utel pour faire diversion. Là, c'est passé au travers de l'utel, j'adore. Mais tu sais combien de temps je mets pour te fumer, bâtard de merde! Oh, ouais, il résiste! Oh putain! Ah, j'avais oublié qu'ils avaient de la magie. Mais bordel, mais meurs! Mais il meurt pas! Ah! Mais il meurt pas, ils me font chier! Ça y est, je crois que j'en ai eu un. L'utel, au secours! Putain, mais. Mais c'est pas vrai, mais tu vas crever, bob de merde! Mais bordel de merde! Oh! Allez, on y est presque! Oh, il a essayé de se soigner, l'enfoiré. C'est bon, Lutel, il est mort. Tout va bien, mon bon Lutel. Oh mon dieu! Oh putain! Ça aura pris toutes mes fioles! 25 milliards de boules de feu! Mais on aura tué ces deux mobs. Voilà. Vas-y Lutel, finis-le là. Moi j'ai plus rien. Attends, si je mets ça, est-ce que ça passe? Oui. Ah, c'est pratique ça. C'est le dieu de la foudre. Regarde, rien ne m'arrête! Ah, oh, mais plus! Et plus de foudre! Terrible. Et bon, on a 50 000 runes. Presque assez pour monter d'un niveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter d'un niveau. De gré ou de force. Fais voir. Ah, il me faut encore 14 000 quand même. Ça donne combien ça si j'en passe 4? Ça va! Vous croyez que ça ira? Vous croyez que ce sera assez? Je sais pas. Hein. Allez, endurance. Again. Again and again. And again. Allez, let's go. Let's go, let's go. Y'a quoi après? Ah oui, non, après c'est le... Oui, voilà, c'est ça, je me rappelle. Ok. Et c'est par là-bas qu'il y a le truc. Mais je crois qu'on va... On va d'abord prendre le site de grâce qu'il y a après. Et ensuite, on se fera chier avec le mob pour la quête de Millicent. Ça me paraît pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Ok, nice. Très très cool, ça, les gars. Des personnes qui pleurent ici tellement le niveau est à chier. Tellement le niveau de jeu est atroce, il y en a qui pleurent. C'est incroyable. This is the chaos! Ok.
Par là. Ok, let's go. Ouais, on va faire ça. J'ai pas fait gaffe à ma barre de vie, mais quand je l'ai vu, j'étais là. Allez. On va s'enlever cette putréfaction. Est-ce qu'on est arrivé au site de grâce? DB. Ok. On va aller faire le truc pour la quête de Millicent. C'est par où la quête de Millicent déjà? Ah, je crois qu'il faut que tu montes par là. Ouais, voilà, c'est là-haut. Let's go. Ah, merde. Pousse-toi, les crevisses de merde! Personne ne t'aime, allez, va-t'en. Ah, je crois qu'il a pas apprécié. Nice. Bah merci. Wow. Wow. En plus faut que je le fasse en solo quoi. Si j'ai une idée. On va prendre la foudre. Attends. J'ai des idées. Ça. Enlever ça et mettre ça à la place. Let's go! Si on arrive à battre ce mob, on pourra finir la quête de Millicent pour la deuxième fois. Et putain, mais il est bizarre ce mob. Et après, on pourra. Est-ce qu'on teste Malenia? Putain, pff, chier. Est-ce qu'on a vraiment envie de tester Malenia? On sait très bien ce qui va arriver et c'est pas beau quoi. Ok. Alors, fais voir un petit peu. Ok, donc non. Ça lui a rien fait? What? Oh putain, ça lui fait rien. Ouh. Ok. Ok. On peut le cheese peut-être? Ah, ça, ça a l'air de faire du dégât, ça. Okay. Pas mal. Ah oui, mais merde. Après, il a une P2. Ah, attends, mais il y a la lance de foudre. Putain, mais touche-le, allez. Sur deux, ça tape à côté. Non. Ok. Ok. Non. Allez.
Putain, c'est Booyah! Putain, on l'a eu! Ah, le maître fromager a encore frappé, mesdames et messieurs. Ah oui, et ça apparaît directement, d'accord. Cool. Mais il faut qu'on retourne en arrière, là. C'est canal de drainage, le truc? Toutes les attaques passent à côté. Mais non, mais c'était prévu, les gars, c'était prévu. Tout était prévu, vous inquiétez pas. Allez, on va aller finir la quête de Millicent, trop bien. Merci pour les GG. Bon, attends, il reste le plus dur, hein, faire la quête de Millicent. Let's go. Bon, vous savez ce que... Du coup, tu as trouvé les trois doigts? Ouais, ouais, j'ai trouvé. Du coup, les gars, vous savez ce que je vais faire ou pas? Est-ce que vous savez à peu près ce que je vais faire maintenant? Je vous l'ai dit, hein, ce perso, c'est le Tchad. Il n'a besoin de rien ni personne. Il fait ce qu'il veut. Il n'a aucun respect pour qui que ce soit. Il n'a rien. Hop. Alors, attends. Faut juste que je récupère ça. Voilà. Ok, parfait. Let's go. Ouais, Malenia, on verra. Vous faire invoquer pour affronter, oui. Let's go! Terrasser Millicent. Et elle est face à qui? Je sais même pas. Ah, c'est chiant, hein! Ah là là, quel dommage! Quel dommage que ton adversaire ce soit moi! Bon, par contre, faudrait vraiment que t'arrêtes avec les. Les fioles. Non! Oh, l'instant de karma! Non! Oh, l'instant de karma! Oh, et merde! Oh, putain! Oh, les dégâts! Je vais me la faire. Pas dans le sens que vous croyez, les gars. C'est bon, on a déjà foudroyé Loretta. Putain, mais... Ok. Oh, attends. Oh, j'ai peut-être une idée. Eh ben, j'arrête pas d'idée. C'est pas grave. Oh, oui, il va sur la côte. Vas-y, elle a esquivé, j'ai envie de chialer. Ah, on esquive pas aussi facilement, hein. Ah, c'est pas évident, hein. Attends, ça. La folie, la folie. Oh putain, je suis atteint de démence aiguë. Ok. Bon bah, et ça a pas trop mal marché mon truc. Ça y est, elle a plus de soin! C'est maintenant! Ok, nice. Oh, je l'ai eu! Vas-y, achève-la! Oh, merde! Hé, hey, Millicent! Tiens! Garde la monnaie! Ha ha! Taste the Booyah! Comment pouvez-vous? Oh, elle te dit, n'étais-je qu'un pion pour vous? Oh, si tu savais à quel point je me suis servi de toi! La prothèse de Millicent est à moi. Extraordinaire! Voilà. On s'est servi d'elle jusqu'au bout, les gars. Grand muguet mortifère. Merci pour le GG. Allez, canal de drainage, let's go. Fortisax, tu le trouves où? C'est dans les quêtes de Rani. Faut faire les quêtes de Rani. Et il est... parce que c'est les quêtes de Rani, mais mélangées à Fia. Donc, voilà. Ok. Let's go.
Millicent qui a fleuri du coup, tout à fait. En fait, Millicent, t'as le choix de la tuer ou pas. Mais évidemment, le mieux, c'est de l'aider. Mais en fait, ce que tu débloques en récompense, c'est vrai que je vous ai pas montré, parce que moi, je le sais, je suis allé voir les wikis. C'est la prothèse de Millicent qui augmente la puissance des attaques successives, ainsi que la dextérité. Donc en gros, non seulement vous allez faire un petit peu de dégâts avec des attaques successives, mais en plus, ça va booster votre dex de 5 points. Donc c'est la prothèse que j'aurais voulu avoir sur mon autre build, mais que je peux pas, donc je risque forcément... Je pense que le chat va faire un échange pour que cette prothèse aille sur mon build principal. Comme ça on fera encore plus de dégâts, ce serait insane. Pardon. Mais voilà. Hop. Je sais pas, c'est la chaleur qui me fait éternuer. Y'a que moi qui éternue avec la chaleur ou... Allez hop. Passer par là. Y'a deux choses qui me font éternuer. C'est la chaleur, des fois, je sais pas, des fois ça me fait éternuer. Et les crèmes dessert au chocolat. Je sais pas pourquoi les crèmes dessert au chocolat. À chaque fois j'en mange une, à chaque fois j'éternue. Ça n'a aucun putain de sens. Je vais passer par où là? J'ai jamais fait ça, si? Ah non. Ah non, je pense que là après tu te laisses tomber et. Tu dois avoir un passage. Ah ok. Nickel! Merci! Ah merci les gars! La prothèse, tu peux la coupler avec le talisman d'aile putréfiée. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu dégueulasse, parce que si tu veux te faire un build full, tu sais, comme moi j'ai voulu faire, c'est-à-dire méga attaque, bah t'es obligé de faire deux runs, ou de faire un échange. Je ne suis pas allergique au chocolat du tout. J'avais regardé sur internet, et apparemment dans les crèmes dessert chocolat, en gros t'as une espèce d'additif chimique ou un machin chimique qui peut faire éternuer certaines personnes. Ouais. Attends, merde, mais là je suis où? Oh là là, je sais plus où je suis. Qui suis-je? Où vais-je? Si, c'est bon, c'est pas là. Clip numéro 13. Numéro 3, tu veux dire. Le mec cancel culture. Numéro 3, tu veux dire, c'est ça, hein? Putain. Attends, où sont mes runes? Où sont mes runes? Pourquoi elles sont là-haut? Pourquoi je peux pas revenir là-haut? Pourquoi c'est de la merde? What? Non. Oh putain, bon. Attends. Je suis obligé de revenir en arrière, quoi, c'est terrible. Bizarre, cette histoire. Ouais, mais écoutez, je vous laisserai faire vos propres recherches. Si vous regardez la VOD sur YouTube et que vous avez la réponse, évidemment, n'hésitez pas à le dire. Pourquoi est-ce qu'on... Mais je suis sûr que tu tapes sur Google. Éternuement, crème dessert, chocolat, je suis sûr que tu vas trouver des trucs. J'avais fait la recherche une fois. Il y a très longtemps, il y a des années de ça. Mais je suis sûr que tu peux trouver des trucs. Et c'est pour ça que j'en mange quasiment jamais des crèmes dessert, chocolat, parce que chaque fois que j'éternue, tu sais, c'est chiant. On va rester au marron suisse. Oh, les marrons suisses, c'est pas une dinguerie, ça. Ça existe encore? C'est des petites crèmes fouettées avec de la crème de marron, quoi. C'est pas une dinguerie, ça. Hop là. On va parler bouffe, hein, je suis désolé. Je commence à avoir faim, alors qu'il est que 21h. On va aller peut-être dans l'autre trou. Ah, c'était ça, les gars! Ah, c'est un truc qui arrive souvent, hein, vous inquiétez pas, mais je me suis trompé de trou. Excusez-moi. Ça arrive parfois, hein, ça arrive au meilleur. Après, tu mets ça sur le compte de la fatigue, et puis voilà, et ça passe en général. Allez, hop. Qu'est-ce que je suis en train de raconter, moi? Allez, let's go. Wouhou! Waouh, 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 waouh! Ok, ok. Oh, talisman de power draconique. Ok, ok. Let's go, let's go. Génial.
Faut que j'aille où maintenant? En bas? Je crois que c'est en bas. Go. On se soigne, on se soigne. On se casse. Oh putain! Jusqu'au bout. Aïe aïe aïe. Let's go! Bon, on a 39 000. Évidemment, on va monter de niveau. Putain, mais on va quand même. On va tenter Malenia là, vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment qu'on tente Malenia? Non, non, on y est juste pour la regarder, Raven, t'inquiète. No suicide, gros. Putain, il me manque rien. Chier. Attendez, je vais juste tuer deux crevettes, j'arrive. C'est n'importe quoi. Attendez, je vais tuer deux crevettes, je reviens. On soutient de la pièce d'à côté, putain. Mais il faut qu'on se prépare bien. Il faut qu'on fasse une bonne prépa. Ok. Voilà. Et bah parfait, ça suffit. Allez, on est à 70 000. C'est largement suffisant. Re-Sigward. Oublie pas d'invoquer Let Me Solo. Ouais, putain. On pourrait, on pourrait. En vrai, ce serait marrant de juste de voir si on le croise ou pas, sa marque. On va monter l'esprit encore. Je voudrais monter l'esprit jusqu'à 28, ce serait pas mal. Alors attendez, on a dit, il faut qu'on se prépare. Les gars, on va monter l'ésotérisme. Ok. On monte l'ésotérisme. Alors, on n'est pas fashion. Hein. Là, c'est pas le fashion source de... qui fait plaisir. Mais c'est pas grave. Sort mémorisé. Voilà. On va faire ça, hein. Et du huile. Attendez, je veux juste regarder si on peut voir. On voit les marques après ou pas? Je sais pas comment ça marche. Faut faire un truc précis ou. Je sais pas comment ça marche, faut utiliser un item précis maintenant pour voir les trucs en co. Oh, ça aurait été marrant de voir la marque de Let Me Solo. Let her solo me. Non mais les gars, on va pas invoquer des. Oh là là, on va invoquer des PNJ qui vont servir à rien. Remède de doigts crochus. Ah. Personne. Je suis pas à niveau. Je dois pas être à niveau, j'en sais rien. Dommage, j'aurais juste aimé voir en fait s'il était là ou pas. Taste de bouilla, tout ça. Putain. Ouais, bon, tant pis. Allez, on va faire comme ça. Et puis let's go. Oh, je suis tellement pas fashion souls. Mais je suis obligé, j'ai pas d'ésotérisme.
dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat. What? Pourquoi je peux pas invoquer Lutel? Bizarre. Vain Dieu, ces dégâts de merde.
Ouf. Oh là 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 là, putain, c'est compliqué. Mais il faudrait que Lutel vienne m'aider. Mais oui, d'accord, si tu utilises l'item pour la coop, tu peux pas invoquer, d'accord. Allez. En vrai, si elle est occupée par Lutel, ça peut encore le faire. J'avoue que c'est assez marrant. Putain, mais quand tu veux pour saigner, hein. Putain! C'est pas à coup sûr, hein, le saignement. Malgré qu'elle y craint à mort. Voilà. Oh, ça va prendre trop de temps. Sur derrière. Putain, mais. Et puis elle se recharge tellement vite! Je mets 10 ans pour lui enlever des PV là, et regarde ça, elle m'a mis un coup, elle a déjà régénéré énormément. Midlife, on y croirait presque. Ah yes! J'avais peur que le saignement proc pas, tu vois. Oh non, elle va recharger toute sa vie.
Bah, pas tant que ça en fait. Vas-y, une erreur là. Oh, ça met si longtemps. Oh putain. Oh mon dieu. Ouais, je sais pas si ça a été nerfé, mais bon. Salut Kizo. Oh putain. J'ai rien de mieux. Parce que je sais pas si. La lance de foudre glacée, je ne sais pas si elle provoque la glace. Au pire, on peut essayer, hein. Ouais, la nuée vorace de Doris, putain, où est-elle? Allez, go. Je voudrais vraiment voir si... Attends, on va faire comme ça. J'ai l'impression que ça proc de la glace. Mais... Ah si! Oh putain! Oh mais on peut y aller avec ça du coup! Ouais mais ça consomme beaucoup plus quoi! Oh pas mal! Voilà! On repart sur de la glace. Il y a peut-être une strat, les gars, il y a peut-être une strat. Attends, elle est sur moi. Bah, attends, pour qu'elle est sur. Oh putain. Ok, ok, ok. Ah, vas-y. I am Malenia. Quelqu'un a son nom, s'il vous plaît? J'ai oublié. C'est l'épée de qui? Bien le bonsoir, Dark Stallion. Non, ce boss, ouais, il y a un petit... Parce qu'elle est très forte, mais justement, à cause de ça, quoi. Quelqu'un a son nom? J'ai oublié. D'accord. Optique 2000. Allez, go. Tout lui passe au travers, j'ai juste envie de pleurer finalement. Voilà. Oh, je tenterais presque un truc là. Oh, on tenterait pas un truc là. Faudrait pas qu'elle me lock en fait. Oh, on tenterait pas un truc là, les gars.
Oh, ce serait ballsy si ça marche. Elle résiste, tu crois, à ça? J'ai pas l'impression que ça lui fasse quoi que ce soit. Elle craint pas la démence? Ah, dommage. Ah, c'est dommage en vrai. Okay. Ah, c'est si dur. C'est si dur. J'aurais cru, hein. Moi j'aurais même aimé, tu vois. Putain, mais vas-y, elle gèle pas. Mais non, mais... Et allez, j'y peux rien. J'ai même pas pu réussir à la geler une fois, quoi. Mais elle gèle pas? C'est terrible. Oh, j'en ai rien à foutre, hein. Je me soignerai quand elle sera gelée. Voilà. Bon, on va se soigner. Oh merde. Évidemment. Je crois que le seul boss principal qui craint la démence, c'est Gideon. T'imagines? Putain, c'est fou. Gideon, c'est une chips. Ouais, bah nous, on a vu tout le pattern de Gideon, mesdames et messieurs. Ouais, ouais. On a vu tout le pattern. Et bah, y avait pas grand chose à voir. Non, non, ouais, c'était quand même cool. C'était quand même cool. Vas-y, Lutel. Les flammes noires aussi, ça lui a. Enfin, ça la laissait pas de marbre. Peux-tu arrêter s'il te plaît? Enseignement, voilà. Quand même, merde. Si tu spammes comme un débile, il faut l'avouer, ça marche. Allez. Bah les flammes noires, ça avait l'air de lui faire quelques dégâts quand même, donc je sais pas. Ah, c'est terrible. Attends. On va faire un truc. On va tenter un truc, les gars. Je garantis pas un succès. Hein. Let's go.
On va être le mage blanc de la game. On va voir ce que ça donne. On va être vraiment en pur soutien. J'envoie Lutel en première ligne et moi je vais rester en soutien et essayer de lui balancer, essayer de lui mettre son compte. Même pas réussi à proc une fois. Il doit pas manquer grand chose hein, pour sa proc. Putain mais allez arrête de bouger. Voilà. Maintenant glace. Bandalf le clan. Oh là là, Kekeshi attaqué, salut à toi, merci beaucoup. C'est pas évident de la faire uniquement avec des incantations. Non, en vrai là j'ai de l'idée les gars, en vrai c'est de l'idée. Je veux dire juste tu laisses ton pote tout faire et... Vas-y Lutel. Yes! Excellent! Et je suis mort. Non. Merde, putain, je me perds dans mes trucs. Oh. Grande classe. Non, mais vas-y, elle me tue en deux coups. Je suis assez d'accord avec toi, Ketchup Pudding, mais tu sais que je pense exactement la même chose pour la sorcellerie de ce jeu. Genre la sorcellerie, les seuls bons sorts que je trouvais, bah c'était à la toute fin du jeu et il fallait avoir 50 d'intelligence minimum quoi, donc c'était un peu la merde. On va rester. Non mais en vrai là la technique est. Putain elle marche. La sorcellerie par contre elle est rapide, ça par contre j'avoue. Que là ça c'est lent. Là j'ai 62 fois. C'est quand même pas... C'est pas trop naze non plus, tu vois. Yes! Ça y est. Okay. Faire ça.
Mais putain, elle passe à côté juste en marchant, la connasse. Oh, ça rend fou. Elle marche juste à côté peinard et elle esquive tout. Évidemment, elle tape le mâche plan, évidemment. Salut, chèque de Bulldog. Ouais, on tente un petit peu. À la base, j'avais pas forcément prévu ça ce soir. Mais je me dis, pourquoi pas? Oh là là. Bah, nous, en sorcellerie, sur le but principal, on était à 30... 38. Et je me disais, bah, ça va, c'est pas ouf, mais je devrais quand même faire des dégâts. Je tuais aucun mob. Alors, certains diront j'exagère, mais je trouve pas, hein. Je tuais aucun mob. À la fin du jeu, j'étais une navette, quoi. Voilà! Voilà ce qu'on aime ici, mesdames et messieurs! Au pire, on va y aller boule de feu comme ça. Je vais lui faire du sale. Okay. Let's go. Nice. On lui a enlevé pas mal de vie, hein. Okay. Oh putain, elle a esquivé sans même le regarder. J'hallucine. Tiens, t'as arrêté. Okay. Faut que t'arrêtes de me bloquer par contre. Ça marche si bien. Putain, y'a une strat les gars, hein. Dommage. Là c'est bien foiré. Ça l'a touché, je sais pas. Oh. En plus ça l'arrête dans son élan, c'est ça qui est génial. Ça c'est la petite double utilité, tu vois. Oh, même pas de saignement. Non. Non. Bien le bonsoir à Lester. Putain, mais ça va si vite, bordel. Oh là là. Non. Putain, c'est dommage, la strat était bonne. Franchement les gars, la strat elle est bonne ou elle est pas bonne? Oh sérieux. Bien le bonsoir en tout cas Lester, je crois que je viens de te dire bonsoir mais je sais plus. Je suis tellement focus là sur le combat. Oh non mais les gars, la strat est là,
Non! Oh, le one shot! J'ai trouvé une meilleure strat. Ouais, tu prends une arme et tu l'attaques, c'est ça? Tu te fais tuer trop rapidement pour une connerie. Bah, c'est Malenia, quoi. C'est ça qui me fait peur, c'est je me dis, imagine ce qu'ils sont capables de nous pondre pour un DLC, quoi. Imagine ce qu'ils sont capables de nous faire pour un DLC. S'il y a un décalage son, n'hésitez pas à le dire, au fait. Hein. Je rebooterai vite fait, ça prend 2 secondes, comme le boîtier. Hop. Tiens, mange. Voilà. Ok. Bon, on a pas trop pu lui faire proc des trucs. C'est con qu'il n'y ait pas un talisman ou un truc qui fasse que ça, t'sais, les trucs proc plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Allez. Non, mais arrête de te soigner sur moi là! Là, ça se passait pas bien, on arrive à rien proc. Putain, je vais balancer tout dans la gueule, rien du tout. J'ai pas le masque de Varé, non. Je réessaye encore une ou deux fois et puis après on part faire autre chose. Albimius, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Ici, on fait des tryhards. Allez, mais sérieux, le truc il passe à côté, il sait pas où aller, c'est quoi cette connerie? Putain, j'aurais aimé au moins attendre la P2 quoi. Tiens, mange 3000 de dégâts d'un coup.
Tiens. Regarde la vie qui remonte super vite. Le vrai Mog. Ouah, chaud. Ah, les gars, vous, on passe du coq à l'âne ici. Rare qu'on a tout ce qu'il faut pour Mog. Remarque. Allez, on fait encore un ou deux tries. Au moins un try qui se passe bien, ce serait cool. Pas mal. Voilà. Bon, elle veut pas viser Lutel. Allez, c'est une femme pourtant, tu peux y aller. Okay. Putain, mais elle en a rien à foutre de Lutel par contre. Ouais. Y'a plus rien qui proc. Allez, putain. Oh, Dieu. Lutel, c'est un des meilleurs esprits du jeu, hein, sachez-le. Certes, ça vaut pas le ton copie, ta copie, mais... Allez, ultime, et puis après, on part faire autre chose. Ça va être un peu long sur la VOD. Merci beaucoup, Super Dupont. Ouais, c'est un peu chaud, là. On tentera Mog, après, si vous voulez. En fait, les meilleurs esprits, c'est la mimique, Tish là, je sais plus le nom là, et après c'est souvent Lutel qui est cité. Parce qu'en fait, Lutel, tu vois, il a tout. Tu vois, oh putain. Tu vois un petit peu le chaos qu'il peut causer rapidement. Et il peut se téléporter, et ça c'est pas rien quand même, hein, de se téléporter. Regarde, hop. Ça c'est pas rien, le fait de se téléporter, hein. Franchement c'est... Bon, c'est ce qui fait que c'est un putain de bon esprit en vrai.
Et Lutel est un gigatank. Oh, on l'a pas choisi au hasard. Ah, mais moi je sais que quand je vois, tu tapes sur YouTube, tu mets top esprit machin du jeu, Lutel est souvent cité. C'est un peu pour ça que je l'ai pris, je me suis dit ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal et tout avec sa téléportation. What? Ça a pas touché là? Bon, ça a pas l'air de la geler et c'est chiant. Donc on retourne avec ça et... Mais après, tu vois, chaque esprit a une compétence, a un truc qui fait qu'il est trop fort. Genre Tish, des couteaux noirs, elle, ce qui est trop fort, c'est son attaque qui t'enlève de la vie max et tout, là. Parce que après, le reste, bah, c'est juste qu'elle est hyper mobile. Mais ça, il y a plein d'esprits qui peuvent être aussi très mobiles, mais juste qu'ils n'ont pas l'attaque nécessaire, quoi, c'est tout. J'adore comment elle esquive mon truc et puis en même temps l'autre il lui en met une derrière. Putain mais jamais ça prend. Ah. Adieu. J'étais en train de regarder les soins, je voulais lui soigner Lutel. Oh, fais chier. Oh, ce boss est une casse-couille. Et encore, ça c'est que la P1, hein. Imagine la P2. Bon, on va tenter Mog au pire. Mais Mog, attends, il est où? Oh putain. Entrée du mausolée. Putain, comment ça marche déjà, Mog? Je m'en rappelle plus.